Ludovic Legendre, Kurt Salmon, nous avons organisé un petit déjeuner ce matin sur la valeur de l'immobilier. Luc Monteil de Bolloré Logistics nous a fait la joie d'être parmi nous. Et il y a une thématique particulière qui nous a vraiment bien intéressé aujourd'hui autour d'un nouveau label, Biodiversity. Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus, mieux connaître tout ce qu'il y a derrière, à la fois pour le label, mais aussi pour Bolloré? Bonjour. Concernant le groupe Bolloré, le point de départ, c'est la volonté de Vincent Bolloré de que cette division travaille sur un plan stratégique biodiversité. C'est un élément que l'on voit de plus en plus apparaître dans les stratégies de développement durable des grands groupes cotés. Au niveau de notre division Bolloré Logistique, ça nous a amené à nous intéresser avec notre équipe développement durable à la question des leviers que nous avions dans nos activités et naturellement me concernant sur le secteur de l'immobilier. Nous étions en même temps en train de travailler sur notre projet de Roissy avec un investissement lourd sur lequel nous présentons une certification LEED et une certification HQE et nous avons en fait interrogé le marché pour savoir en fait qu'est-ce que l'on pouvait faire en matière de déclinaison, d'action et de thème, du thème biodiversité. Et c'est en faisant cette recherche sur le marché que nous sommes tombés sur un groupe d'acteurs économiques et professionnels qui était en train de monter cette association qui porte ce label Biodiversity, donc référentiel et label tout à fait récent puisqu'il a été lancé à l'occasion du CIMI de décembre 2013 et pour lequel l'association qui s'appelle le CIBI, Conseil International Biodiversité et Immobilier, devrait présenter normalement d'ici l'été les premiers projets pilotes présentant ce label et notamment nous y verrons le projet de Roissy de Bolloré Logistics. C'est un référentiel simple qui s'inscrit en fait autour de quatre axes, une soixantaine de critères qui, dans sa mise en œuvre, finalement, est à l'échelle finalement de ce sujet qui n'est pas finalement l'ensemble des sujets d'une stratégie environnementale pour un bâtiment qui est simple par les critères finalement à travailler. Il n'impose pas en fait des solutions techniques comme de mettre en place des toitures végétalisées, même si ce sont des éléments qui sont contributifs. Par contre, il va vous amener à décliner l'ensemble finalement de votre projet et à mieux le travailler. Il y a une question qui m'a marqué, c'est que finalement vous disiez que la proximité pour des collaborateurs du vivant améliore la productivité. Oui, merci de me poser cette question parce que c'est la vraie vocation en termes de positionnement de ce label. Je le dis souvent, c'est pas par ce label-là qu'on va sauver les espèces en ville. Par contre, il est très orienté sur l'apport pour l'humain au sein en fait d'un site immobilier et de rapprocher finalement l'homme de la nature. En travaillant finalement les vues sur des espèces végétales, sur des espèces animales, en aménagement des terrasses, en aménageant des espaces verts extérieurs. Et c'est par cet élément-là finalement de lien et de confort, parce que le vert, comme on le voit sur les toitures finalement un peu végétalisées qui sont derrière nous, ce sont des éléments de plaisir qui contribuent à la réduction du stress. Et souvent, derrière finalement le végétal, on voit aussi des petites espèces animales, des grenouilles, des lézards, naturellement les oiseaux. Et c'est ce qui finalement fait et fera le succès de ce référentiel parce qu'il a un lien direct avec la qualité de vie, le bien-être au sens élément de productivité et donc derrière pour l'entreprise, l'absentéisme, le turnover et puis la productivité. Merci d'avoir partagé avec nous cette intuition. C'est une autre manière d'envisager les terrasses comme ici un peu minérales et d'y redonner un petit peu de vie pour que finalement on ait plus de plaisir à venir travailler. C'est moi qui vous remercie. Luc.